Salut et bienvenue, aujourd'hui on parle des formes et des transferts d'énergie. L'énergie est une grandeur qui va avoir plusieurs effets possibles. Premier effet possible, c'est de produire ou de modifier un mouvement. Deuxième effet, c'est de produire un rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire de la lumière. Et enfin, troisième effet, ça va être de pouvoir modifier la température d'un corps. Alors on distingue plusieurs formes d'énergie et pour cette vidéo on s'est appuyé sur les formes d'énergie qui apparaissent dans le programme officiel du cycle 4. Alors, première forme d'énergie que l'on va pouvoir rencontrer, c'est l'énergie cinétique qui est liée à la masse et à la vitesse. Deuxième forme d'énergie, c'est l'énergie potentielle qui elle est liée à la position, c'est celle qui est mise en jeu notamment dans les barrages hydrauliques. En effet, l'eau est en altitude, l'énergie potentielle stockée va pouvoir être récupérée en bas de la conduite forcée. Nouvelle forme d'énergie, c'est l'énergie chimique qui est liée à des transformations chimiques, c'est celle que l'on rencontre notamment dans les piles. On rencontre aussi l'énergie électrique qui est utilisée dans tous les appareils fonctionnant branchés sur le secteur. On rencontre aussi l'énergie thermique qui est liée, comme son nom l'indique, à la température. L'énergie nucléaire, elle, est liée aux réactions nucléaires, notamment dans les centrales nucléaires. L'énergie lumineuse, comme son nom l'indique, est liée à la lumière. Par exemple, la lumière émise par le soleil. Alors, il faut savoir qu'il faut distinguer les formes d'énergie des sources. En effet, les formes d'énergie, on vient de les rencontrer. Et ces énergies, elles vont pouvoir être stockées dans des sources d'énergie. Et ces sources d'énergie, on peut trouver par exemple la pile qui stocke de l'énergie chimique ou de l'eau qui stocke de l'énergie potentielle, comme on l'a vu dans le barrage. Ces énergies, elles vont pouvoir être transférées d'un système à un autre, par exemple par transfert thermique lié à la température, par travail mécanique lorsqu'il y aura un mouvement, ou aussi par travail électrique lorsqu'il y aura de l'électricité qui sera mise en jeu. Lors d'un transfert, on ne change pas de forme d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie peut passer d'un système à un autre, mais en restant sous la même forme. Lorsqu'il y a changement de forme d'énergie, on parle de conversion d'énergie, c'est-à-dire qu'on va passer d'une forme d'énergie à une autre via un convertisseur. Et je vous engage à aller voir la vidéo dont le lien est en haut à droite, qui traite des diagrammes énergétiques. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux et vous abonner. À bientôt !